chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 28 mars 2019 et je me trouve actuellement au-dessus du barrage de Saint-Joseph de la ville de Fumay dans les Ardennes. Et à travers bois, je vais essayer d'aller rejoindre certainement le barrage de Luf et puis une autre petite balade, on verra. C'est un chemin que je ne connais pas. Donc voilà, découverte. Mes chers amis, à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Alors je suis au barrage de Luf, c'était le barrage que tenaient mes beaux-parents, Camille Depay, qui était barragiste, et ma belle-mère, Raymonde Henry, épouse Depay. Donc ils ont vécu 23 ans là-dedans avec leur fille, et la fille Annie. Et maintenant, bah, tout est à l'abandon parce que c'est un barrage automatique, ce que redoutait Camille. Voilà. Enfin, souvenir pour certains et puis souffrance peut-être pour d'autres. Au revoir. Alors là, nous sommes derrière la maison du barragiste et c'est le ruisseau de Luf. Donc un ruisseau visiblement assez abondant là, une cascade dirons-nous même, qui coule de la montagne, voilà, et qui alimente le bassin en dessous pour aller se jeter dans la Meuse. Voilà, c'est la pause déjeuner. Je marche depuis 9h30 ce matin et il est midi et quart. Donc je me suis dit, bah tiens, sur ma route là entre Fumay et Revin, sur la voie verte Transardenne, et bah, il y a une maison forestière. Et bah, je vais m'arrêter là et casser une petite croûte. Donc voilà, le menu est simple. Hein. Je me suis fait des œufs durs, il y a de la ratatouille froide, une pomme, un jus de fruits. Un morceau d'emmental et puis du bon pain de chez le boulanger à la mie bien aérée et à la croûte bien torréfiée, comme je l'aime. Bon appétit mes amis, à bientôt. Et après, ben, je continue ma route. Thank you.
Thank you.